C'est une langue belle avec des mots superbes. La boîte de Pandore, c'est la mythologie grecque, si je ne me trompe pas? Aucune idée. Aucune idée. C'est ça, la boîte de Pandore en mythologie grecque, c'est une boîte parce que quand elle a été ouverte, c'est tous les malheurs qui s'en sont sortis. Mais j'imagine que ça va avoir rapport à ça. Ça veut dire mettre du malheur. Moi, j'ai l'impression que c'est ouvrir un sujet tabou. Jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est quand on se débarrasse de tout en même temps, donc on en fait trop, puis que l'image, c'est qu'on a jeté l'eau, puis qu'on a jeté le bébé avec, donc on a jeté trop de choses, tout ce qu'on avait, sans faire de discrimination. Un secret de polichinelle, c'est un secret que tout le monde sait. Comme un cheveu sur la soupe qui n'est pas supposé être là, puis comme pas préparé, là, pas prêt à la situation. Manger les pissenlits par la racine. Ça peut être comme mourir, je pense. C'est là qu'on décède. Alors, on se retrouve sous terre, et donc, dans la racine des pissenlits, on va les bouffer. Tirer le diable par la queue. Ça veut dire contrôler quelqu'un de malin, je sais pas. Prendre des risques, donnez-moi. Moi, je dirais que c'est s'attirer des problèmes. Ouais, jouer avec le feu. Peut-être plus que jouer avec les problèmes, ce serait tirer le diable quand même. Tu vas chercher les problèmes. Ouais, tu cherches le problème. Ouais. Mmh, c'est une belle expression. Oh mon Dieu! Je sais pas, mais je suis sûre que ma mère, elle serait, vu que ça fait longtemps qu'elle a beaucoup d'expressions, mais ça, je peux pas vraiment vous aider avec ça. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre.